on a commencé à tuer les gens systématiquement, village par village. Cela a fait peur aux gens parce qu'ils n'ont jamais vu ça, comme on décapite, on coupe en morceaux les gens. Ça a donné peur à tous les Vanuma. Fighters from the Allied Democratic Forces unleashed a night of violence. More than 300 people have been killed in the east of the Democratic Republic of Congo. One of the deadliest attacks to hit the region in at least 4 years. Now the violence has displaced more than 1.6 million people. Katina naine kasamlainge mombi wetoka kunandi welevana kundugu wawo umombi kabombi bomo atiati katina nina samlai da kuli kalevanya ine kundugu bombi kabombi atiati kundugu kabola naine dabange ayon samlai da kuli te asiso bon kipata kunandi faraja kongo kaka levana bombi bomo. Na juna na kuru kama isha kademu. Kari makafamu ima inge ya moti. Kuna ndibana enjoy mi Biblia inge na Kaswahili maotoka kafamu na kuru. Batu kalulara ludemu mafamu na kuru. Ima ringe makuni mbira, metoka meni mbira. Kari ya kalulara ludemu andini. Nous n'avons pas abandonné le travail de la traduction parce que, oui, il y a les hommes qui sont morts, les femmes et les enfants, mais il y en a qui ont fui. Nous voyons que les hommes qui ont fui, c'est ça l'Église. Nous allons le faire à n'importe quel coût que nous puissions avoir et nous allons nous sacrifier jusqu'à ce que le Vanuma ait la Bible entre ses mains. Malgré les difficultés, nous savons que nous allons quitter un jour la souffrance de la terre et aller hériter dans le royaume des cieux, dans la paix éternelle. C'est ce qui fait notre joie, ça fera aussi leur joie. Samurenge kalungwa ka Biblia pola kalivanuma ya juna bumbi kanuko ido na rodada rodongo ina ya na bosasa kuliko inge yali juu imange ya tombanya mbisi kamo vanuma tete muvanuma kasake konda kuli karungwana na rodada ruto mante. C'est ça, c'est là qui a besoin aussi de la parole de Dieu. Alors on ne va pas s'arrêter parce que même en déplacement, on va continuer à écouter la parole de Dieu et on doit continuer à gagner les âmes pour Christ.
on ne va pas s'arrêter avec la parole de Dieu jusqu'au retour de Jésus-Christ.